Le Malouango Mouemakoso IV qui a rejoint les ancêtres en date du 23 décembre 2020 est arrivé ce mercredi 27 janvier à Pointe-Noire. Sa dépouille mortelle au mortuaire, si vous le voulez bien, a été reçue à l'aéroport par les parents, amis et connaissances, mais également et de manière notoire, Madame l'épouse du chef de l'État, Antoinette Sassou Nguesso, et les officiels des départements de Pointe-Noire et du Kwilu. À partir de l'aéroport international Antonio Agostino Neto de Pointe-Noire, le cortège funéraire s'est ébranlé jusqu'à Diosso en passant par la stèle du 15 octobre 1997, le carrefour de Le Carrecé au centre-ville, la place de la République, le rond-point sympathique, le rond-point de Loubou. Finalement, c'est à sa résidence de Diosso que se trouvent les obsèques qui vont devoir durer 8 jours. L'inhumation interviendra en date du 3 février au cimetière royal. Entre-temps, une série d'animations traditionnelles se déroule au niveau de sa résidence de Diosso. Depuis la résidence royale de Diosso, Guy Serge de Moisa pour le compte de MCRTV, Panton FM.